Et ça fait toujours flipper un peu. Oh, oh coquin. Ah, ouais. Bon, c'est quand même un truc de fou, toujours aller se battre avec des gens là aux quatre coins de la France. Mais aujourd'hui en plus, le mec il est costaud. Là, le journaliste m'a prévenu, c'est mon gabarit, bien balèze. Donc ça risque d'envoyer du lourd. Donc bouche sèche, bouche sèche. Donc on est ici à l'école de Didier Bédard, le fameux maître de kung-fu français. Et puis on va voir deux de ses élèves. Ils vont nous montrer ce que c'est que le kung-fu, tout ça. Puis bien sûr, il y aura de la castagne, hein, parce que vous êtes venus pour ça, bande de petits coquins. Hein, la castagne, c'est ça que tu veux? Eh bien, on y va, c'est parti. Ça me rappelle la vidéo avec Marc Notari, tout ça. Voilà, voilà. Voilà, les éléments se déchaînent. Je sens qu'il y aura de la tension aujourd'hui. Je sens qu'on va bien se taper dessus. Eh, ça fait toujours flipper un peu. Oh. Allez, go. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est? Grégory? Ah, de rien. FR3? Mehdi pratique du Wing Chun Kung Fu. C'est un style de Kung Fu. T'as énormément de styles dans les arts martiaux chinois. Le Wing Chun, c'est une boxe du Sud, donc qui se fait à main nue, et qui permet à la fois d'avoir du saisie et de la frappe. Donc c'est beaucoup de déviation et de blocage avec les bras. Donc t'as assez peu de rotation avec le haut du corps. Donc où t'es plus sur tout ce qui est percussion. Ah oui, il reste comme ça dans l'axe sans envoyer les hanches. Alors épaules. Tu peux le faire, mais la technique, c'est comme t'as un travail de simultanéité, t'as un bras qui contrôle et un bras qui frappe. En général, mécaniquement, t'as des frappes courtes qui vont avec. Alors, le Wing Chun, Wing Chun. Alors, t'as différentes prononciations. Hein. Après, ça, Wing Chun, il me semble, si je dis pas de bêtises, c'est même une marque déposée. Là, ici, on pratique une branche qui a été ramenée par Sifu Didier Bédard, qui a appris avec William Chung. Et donc, on travaille plus sur du 50-50. C'est assez proche des structures que t'as en boxe anglaise. C'est le gars qu'on a vu à l'entrée Tout à fait. Donc c'est lui là, William Chung, enfin, William Chung, ouais. Alors c'était un contemporain de Bruce Lee, c'est la même génération. Ok, donc lui il a étudié avec Bruce Lee. Ouais, enfin c'était pas son élève, hein, ils étaient tous les deux élèves de Ip Man. Ah d'accord. D'accord, c'est comme si c'était des partenaires d'entraînement si donc tu ils veux. Ils sont tapés dessus. Sûrement. D'accord. Et après il a enseigné à Didier. Exactement, un des pionniers dans cette discipline, c'est moi sûr. J'entends que parler de lui, tu vois, c'est comme bon le Krav Maga, ça, on dirait Richard Dugem. Ah ouais. On va parler du karaté, ça va être Dominique Valera, tu vois. Il a passé sa vie à étudier les arts martiaux. Il a commencé par un système qui est là, qui s'appelait Shaolin du Nord. Qui était... Celui-ci là? Ouais, ça. Où c'était, il s'entraînait en sparring, au combat, à l'ancienne, hein, c'était pieds-poings. Une question qui est un peu bébête, est-ce qu'il était vraiment fort, mais comment est-ce qu'on peut jauger de la force d'un combattant, tu vois? Est-ce que c'est la compétition? Est-ce que le nombre de combats qu'il a fait dans la rue? Est-ce que c'est les oui-dire, tu vois? Ouais, exactement. Bah, les questions, on n'aura pas qu'une seule réponse. Hein. C'est la force d'un combattant, c'est un être accompli à travers les arts martiaux. C'est une belle réponse. Ouais. Après, tous les champions, ils sont tous pris des KO souvent. Et bien sûr. Tu as des catégories, il y a plein de choses, il y a tellement de paramètres. Est-ce que tu parles de self-défense, de sécurité, d'intervention de sécurité? Est-ce que tu parles de compétition sportive? Donc c'est des aspects très différents qu'on regroupe autour des termes arts martiaux. Mais je ne crois pas où c'est un peu le premier dans l'embouteillage, tu vois, au plus fort du monde. Non, ça, je sais pas. Par contre, chacun peut aller au plus loin de ses limites et être maître de son art et le transmettre correctement dans le respect et la vérité de l'art martial. Ouais. Alors, tu peux me montrer un petit peu ce que c'est? Bien sûr, avec Mehdi. On ne l'a pas présenté forcément. Mehdi. On va présenter Mehdi. Ça va Mehdi? Ça va? J'allais dire, présente-toi, je m'appelle Mehdi, je l'ai déjà dit. Bienvenue. Merci. Tu peux te présenter? Oui, donc je m'appelle Mehdi, je suis pratiquant de Wing Chun Kung Fu à l'académie de Sifu Didier Bédard. Point. Et je pratique depuis... Et je pratique depuis maintenant plus de 10 ans les arts martiaux chinois, donc le Kung Fu Wing Chun. Téléphone. Ah ça, viens ici toi. Ça c'est à force de mettre des coups de doigts comme ça. Au fur et à mesure, les poteaux se sont imprégnés des doigts des élèves. Bam, bam, en plus on a une forme comme ça qui s'appelle bilji, c'est les doigts persans. Je sais. Donc voilà.
Non, mais les gens croient que je dis que des conneries sur la chaîne. Ah, ça, c'est la fourchette du diable. Voilà. Nous, nous prenons au sérieux, c'est quoi c'est pas la fourchette du diable. Mehdi, représente-toi une dernière fois. Ok, voilà. Avec grand plaisir. On va y arriver. 10 ans d'arts martiaux chinois. 10 ans d'arts martiaux chinois. J'ai pratiqué plusieurs arts martiaux avant ça, mais ça ne m'a pas accroché comme le Wing Chun. Donc, c'est ici où j'ai trouvé mon bonheur, on va dire. C'est très complet. Donc, on fait des percussions, des amenés au sol et du sol. On y croit, hein? J'ai vu ça dans les films. Ouais, bah c'est un calibrage de technique. En fait, c'est un outil pour, pratiquer le Wing Chun. C'est un outil. C'est pas avec ça que tu vas devenir un combattant qu'en pratiquant le mannequin de bois, mais c'est pour calibrer tes techniques. Donc là, on reconnaît les bras, ouais. La jambe. Mais là, j'ai un doute sur ce que c'est, du coup. C'est les attaques basses. Donc, coup de poing direct au foie, crochet au foie, par exemple. Pourquoi t'as rigolé? Ah, parce que c'était étrange, ce que tu as dit. Bref. Ben non, c'est mannequin de bois, là je vois deux bras, une jambe. C'est très simple. T'as les attaques hautes. Allez frérot, j'ai compris. Okay. Les coups de poing hauts, les coups de poing dans le ventre. Les coups de poing bas, bah alors. Yes, ben, je demande les mecs. Alors, on va développer Pak Sao la paume et Bond Sao. C'est le bras ailé. Là ça forme une aile. Donc c'est 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 4, 1, 2, voilà. Après, celle-ci, elle peut avoir cette fonction soit de frapper, si son bras est en opposition, dès qu'on va avoir un contact. Voilà. L'idée, c'est pour ça que ça se marie bien. En fait, le Wing Chun, son expression, vraiment le développement qu'il fait, c'est à partir des zones de contact. Et c'est pour ça que tu as des systèmes de percussion courtes, et après, tu vas très vite, tu vas vers du corps à corps. Pour toi, c'est facile. Ah, pour moi, c'est facile. Je vais avoir l'air d'un idiot. Non, tu vas voir. Très bien. Ça, de près ? Ouais. Alors, tu vois, si je devais corriger dans le style Wing Chun, c'est dans les directions. Tiens, on va le faire ensemble. Comme ça, oui. Je vais te voir là. Comme ça, tu vas ressentir aussi. Quand tu te renvoies ton premier, tu es là, et le deuxième. Là, tu as un mouvement un petit peu, tu vois, comme un coup de coude. Circulaire, oui. Bah, ça pourrait marcher, hein, c'est pas ça le truc. Mais l'idée, quand tu es dans les mouvements, c'est d'avoir un mouvement vers l'avant. D'accord. Ce qui fait qu'en fait, à chaque fois que je vais en contact, il y a très peu de mouvements latéraux. C'est pour ça qu'un des principes fondamentaux de centre. Ouais, la théorie du centre est de la poussée constante vers l'avant. En fait, quand tu es en contact, une fois que le bras est en contact, tu n'es pas mort, mais tu vois, j'exerce juste une légère poussée. Exactement. C'est de là que naît le Chi Sao. C'est-à-dire qu'en fait, cette zone-là. Ce qui fait qu'en fait, quand tu es en poussée vers l'avant, quand tu crées, si tu décoches l'autre, tu crées mécaniquement cette ouverture-là. Après, si tu as une bonne dextérité, tu peux t'infiltrer dedans très vite. Mmh. Et après, donc, c'est pour ça que les mouvements, tu vois, tu restes ici, tu as très peu de mouvements rotatifs, en fait. Et là, celle-ci, bon, elle peut reprendre là, et ça. Mais d'accord. Tu vois que c'est très linéaire, c'est pour ça que c'est symbolisé souvent par le triangle, et la capacité, c'est pareil en Kali, ou la capacité à s'infiltrer dans le système de défense. En jujitsu, tu as la même chose, hein. C'est le triangle. Souvent, le triangle irait dans les armes. Ouais, exactement. Soit pour la posture ou les. Et c'est pour ça que je te dis ça, c'est des lois générales. Vas-y, refais-le une fois, on voit. Ouais, tu veux que je. Moi, j'ai compris. Hein? Enfin, je crois que j'ai compris. Très bien, regarde, ton poignet est là, bouge pas. Ouais. Et là, je vais juste me poser sur toi. Maintenant, plie un peu sur les jambes, rentre un peu la jambe avant. Ça. Et tu vas voir qu'en fait, tu vois cette structure. Yes. Si tu avances vers moi, juste en gardant la structure, c'est ça. Oui. Allez. Donc on peut te montrer, tu vois, il y a des méthodes de travail donc bien en Chi Sao, c'est des boucles qui vont travailler cette dextérité. Et une fois que tu es en contact sur celui-là, après c'est des progressions pour passer son système de défense et essayer de le bloquer, de le verrouiller pour avoir une touche. Alors après, tu vois, ça fait un travail très souple et tu es très proche après du réflexe. Si on travaille vraiment spécifiquement en Chi Sao, c'est comme les mains collantes. L'idée, c'est d'essayer de trouver des ouvertures, fermer ces portes, et ça te donne les directions, les angles. Donc ça, en même temps que tu es en contact avec un bras, ça te permet d'avoir au niveau du système réflexe, le réflexe en contact et le réflexe visuel.
Donc ici, tu vois, s'il part avec ce, tu l'as dans le champ de vision de toute façon, mais le regard est sur l'autre, ça, ça te permet de suivre, un peu comme une antenne. S'il décoche l'autre, celle-ci, ça lui permet de rentrer. Donc tu as des exercices prédéfinis. Donc tu vas rentrer ici, vas-y. Et après, tu peux passer entre guillemets sur du libre avec des changements de bras. On peut connecter. Et ça, c'est un travail. Ça, c'est des chorégraphies ou vous faites au pif? Ah non, c'est au pif. Non, là. Je suis au pif. Ah non, c'est pas correct. Non, non. Là, t'as pas... C'est... Ça, c'est que du réflexe. C'est-à-dire que c'est de la chorégraphie dans le sens où c'est des techniques qu'on connaît, oui. Mais je sais pas ce qu'il va faire spécialement. Okay. Après, tu le ressens. Tu vois, là, il va faire un crochet. Si je lui envoie des directs, ou je vais ici au corps, voilà, il va bloquer. Et c'est pour ça que ça te fait un système, voilà, lentement, tac, de réflexe. Pour. Donc ça, c'est des chisao. On peut l'avoir aussi en croisé, si je sors ici. Une fois qu'il a, je peux essayer de reprendre. Et tu vois, tu vas retrouver souvent les mêmes techniques dans des ordres différents. Et à chaque fois, il y en a un qui essaye de saisir et l'autre qui sort de cette saisie pour avoir une contre-attaque. Ouais, j'aime bien. Donc c'est vraiment une escrime de bras. Ça me rappelle des trucs, hein, même ouais. Au corps à corps quand tu attrapes. Tout à fait. Et c'est pour ça que c'est j'avais très vite après sur le grappling. Avec notre ami non-voyant, Nicolas Plessis. Mm-hmm. Et puis il m'expliquait un petit peu la même chose. Quoi. Une fois que tu es en contact, tu peux sentir le exactement. Mouvement de l'autre. Quoi. Exactement. Tu peux aller au corps à corps directement plus facilement. Tu vois. Et c'est pour ça que c'est... Après, il y a des patterns, j'imagine. On sait ce que l'autre peut faire. S'il a déclenché une gauche, il ne va pas faire un truc exactement. Bizarre. Quoi. Après, tu as de la lecture dans le corps qui naît de ça. Et surtout, ce qui est très agréable, c'est la méthode de travail qui est assez souple, en vrai. Parce que si tu es si t'es trop dur, c'est très saccadé. Et donc, l'idée, en fait, c'est d'acquérir une forme de souplesse et de relâchement dans le travail. Et de travailler son système réflexe comme ça. Et tu vois, quand il essaie de saisir mon poignet, saisis. Si je suis raide dans l'épaule, il embarque tout le temps, mais ça c'est les bases. S'il me fait la même chose et que je relâche, non seulement tu es relâché, tu peux revenir, mais tu es relâché, tu peux reprendre. Et tu vois, il y a toujours cette logique de reprendre cette ligne centrale. Donc ça offre dans les bras, c'est pour ça que c'est très proche après, dans les frappes, tu es sur un relâchement pour éviter de se faire saisir. L'ouverture. Donc c'est un travail qui amène vraiment au relâchement, à l'écoute. Et donc c'est pour ça que les gens parfois confondent le chisao et du combat. C'est pas du combat. C'est des exercices spécifiques. Mais dans un combat, sauf dans des films, tu n'as jamais autant d'échanges techniques. C'est très court, c'est des phrases. Pas vraiment un, deux. Et tu peux avoir éventuellement, tu vas voir après quand on tourne, un moment où tu arrives à placer une ou deux techniques. Et soit tu as la touche, soit c'est des retraits ou des avances. Mais ça, c'est fait pour emmagasiner un maximum d'échanges. Et après, nourrir le corps, par les sensations, s'habituer aux distances, aux tensions. Et c'est des exemples en plus vraiment qui vont t'apporter quelque chose en plus dans la percussion. C'est-à-dire d'arriver. Le relâchement. Le relâchement et arriver au moment du contact, pouvoir sentir les choses tout de suite pour attaquer. Juste pas sortir du contact, mais de percuter et aller au contact tout de suite pour avoir ça et sentir l'effort, c'est génial. Ça ajoute quelque chose à la percussion, on va dire. C'est dans la continuité. Ouais. Bah, moi qui viens du karaté, où c'est très rigide, c'est très ligne droite. C'est très cassant. Ouais, moi, j'ai toujours aimé le kung-fu justement sur cet aspect circulaire et presque infini quoi du kung-fu. Ouais. On appelle ça, on dit que c'est un style féminin dans ce sens-là, d'accord. Parce que c'est souple. Ouais. Mais tu vois, même en wushu, hein, tu as des techniques. Le premier style de Sifu Bédard, c'était un style Shaolin du Nord, c'était plus proche du... Bah, il n'aimerait pas que je dise ça, pas du karaté, parce que tu avais la rivalité kung-fu-karaté, mais c'était des kung-fu durs, on va dire, où tu encaissais, tu bloquais dur, etc. Et c'est ce qui l'a attiré vraiment dans le Wing Chun. C'était ce côté-là, cette science des mains et cette approche très souple de structure. Et donc, tu compensais la force par la qualité de structure, d'alignement, la précision technique. Et tu le retrouves aujourd'hui beaucoup dans le grappling. Hein, c'est un peu les mêmes choses. C'est très souple quand il tourne, très précis. Et plus tu es précis et technique, moins tu as besoin d'utiliser la force, de toute façon. Pas l'objectif. C'est ce que j'essaye de faire, de moins utiliser de force justement, que ce soit au JJB. Ouais. Avant, je sais que j'étais un peu un bourrin et je lisais tout sur la patate, enfin pas tout, mais bon, j'avais de la technique. Mais aujourd'hui, j'essaie d'être beaucoup plus relâché. Et comme ça, tu peux combattre très longtemps. Puis en boxe, j'ai remarqué que quand t'es comme ça, t'es crispé, tu te fatigues au bout de deux minutes et puis tes coups, ils les voient venir. Donc le relâchement,
Je crois que c'est la base pour durer longtemps et puis pour rendre le mec fou quoi, en face. Là, on se fait un petit quart d'heure d'échauffement, puis on commence K1. Très bien. Et ton poids, en fait ? 95 kilos. Ben voilà, pareil. Et la taille ? 1m90. 91. Et la couleur des yeux ? Je sais pas, à toi de me dire. Oh, coquin. Ah, ouais. Moi, c'est bleu, vert marron. Moi, c'est marron. J'ai insisté à la préfecture. Non, tu mets vert marron. Les gants de boxe pour l'instant ? Les gros ? Ouais. J'ai les gants de 14, ouais. Si ouais. De toute moi, j'ai mon casque. Tu mets un casque aussi ? J'ai pu travailler sans casque. Je préfère sans casque. Je préfère avec le casque. Pourquoi tu veux pas retenir tes coups ? Bah, je sais bien quand on tape un peu quand même. Mais tu peux taper. J'ai l'habitude. Ah bon ? Ouais. J'ai l'habitude de manger des coups. Ok. Allez, go. Allez, c'est parti. La prochaine bagarre, c'est contre qui ? Ce sera Diabaté, bien sûr. J'ai hâte. La protège dents, ça coûte cher demain. T'as la bouche sèche ? Ouais. Allez, go. Hop, ouais, elle ferme le port. Kickboxing. Pas de projection, point tibia. Ok. C'est bon ? Let's go. Ah, il envoie du bon, hein. C'est bien, Mehdi. Bonne patate. Merci. Il envoie des bons low kicks jambes droites. Un beau jab. Je l'ai pris plusieurs fois. Sympathique, sympathique. Voilà. Mais moi, j'aime bien ces combats comme ça, là, où on reste un peu face à face. Et ouais, c'est assez violent, c'est cool. Ouais. Ah, génial. Genre, tu utilises bien ton allonge aussi. Tu as des bons assauts en ligne droite, ça c'est bien. Il faudrait reculer un peu plus, se décaler, mais ça on le fera pour toi. Nous deux. Toi, oui, oui. Tu vois, nous deux. Quand on reçoit un assaut, il faut... Décalage, oui, exactement. Décalage. En fait, 2-3 par arrière, exactement. Max, et boum. Ouais. Parce que sinon, on se fait acculer, on est sur les talons, et là c'est compliqué. Non, non. Bien. Bon, on va refaire ça, de toute façon. Bien sûr. C'était plutôt équilibré, même si tu m'en as mis plus. Ouais. Mais on va refaire ça. Ouais, super. Hein, t'avais un truc à dire ? Non, non, on peut recommencer. Bien sûr. On s'en refait une comme ça ? Merci beaucoup. Génial.
C'était beau poids lourd. Ouais. On a fait à peu près pareil, on a plus bougé, on a quand même pas assez décalé. Oui. Mais c'était... on est dans une habitude en fait de reculer, mais il faut vraiment se décaler. En Kung Fu, vous faites beaucoup de lignes droites aussi? Non, on a aussi des positions de côté pour sortir. On a beaucoup de repas de recul et décalage, mais après c'est un timing. Oui. Et ça se travaille. Oui. Moi aussi j'ai cette habitude de reculer en ligne droite. Très, très bon relâchement, hein, vous avez vu, il m'a touché plusieurs fois, même un bon gauche-droite là au début. Ouais. Des bons low kicks. Ouais. Alors, si je peux me permettre, ton gros défaut, ouais. Quand il y a une jambe qui arrive, tu descends tes deux bras. En fait, je travaillais beaucoup. Souvent, on m'envoyait des fentes de low kick, ouais. Pour mettre un high kick. Ouais. Et en fait, c'est comme une stratégie de faire descendre les bras pour après utiliser ce bras-là et partir. D'accord. C'est dangereux. Ouais, j'ai vu. Ouais. Mais parce qu'en kickboxing, on nous apprend toujours, dès qu'il y a une jambe qui se lève, on monte. Quoi. Ouais. Après, des très, beaux, très gros low kicks de ta part. Ouais. Ça, j'aime bien. C'est rare qu'on me mette des bons comme ça et que je descende comme ça. Donc. Là, il y avait les protèges tibias. Sans protège, ça aurait été la misère, mais ils étaient beaux. Hein. J'ai pas bien vu, je pense qu'il y a une belle rotation de hanche, non? Avec le tibia. Ça dépend, parce que quand on fait une rotation de hanche, il est plus détectable que si on n'en fait pas. Mais il y a un peu moins de puissance, oui. Quand même. Dès qu'on pivote. Tu fais comment, quoi? Bah, je fais les deux. Ouais. Ça dépend si je sens que tu vas le détecter. Ou... Vitesse et relâchement à l'impact. Enfin, pendant le trajet, relâchement, ouais. Et à l'impact, la contraction. Mais il faut surtout le travailler relâché, bien ouais. Sûr. Ouais. Passer la hanche. Il est très détectable, sans passer la hanche, il est moins détectable et moins puissant. Ouais, ouais. Mais c'est peut-être pour après venir en haut, feinter en bas pour venir en haut. Donc, les deux. Ouais, ouais. Oh, j'ai pris des belles. Hein. Donc c'est bien, écoute. Est-ce que tu as réussi à placer des trucs de Kung Fu justement? Avec les gros gants, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Peut-être des parades, comme le Pak Sao côté, les Bil Sao. Mais c'est un peu plus compliqué avec ces gants-là. Ouais. Avec le MMA, c'est beaucoup plus facile, puisqu'on a un travail à main nue. D'accord. Avec les mitaines, ça se rapproche justement du travail à main nue. D'accord, bon, on va voir ça tout de suite. Ouais, bien sûr. On met les instruments. Faut mettre le tapis, c'est ça? Ouais. Allez. On peut mettre le tapis? Bah oui. On met le tapis pour qu'on retrouve pour un petit rond de MMA. Ouais. Si on fonce dans les poteaux, ça va faire comme Marvel. Ouais, Hulk contre Thor. On aime ça là-haut.
tranquille aussi. Allez, go. Derrière, viens. Derrière, je sais pas bien scratcher. Si on sort, on dormira au sens, la même posture. Dès que vous checkez, j'y vais. J'ai pu voir ça un jour, mais je me suis mangé du kung fu pour de vrai. Ouais. Je t'en mets quelques coups, t'as fait clac clac clac. Ouais. C'était beau. Merci, c'est gentil. Très gentil. Vu qu'il y a la garde grande ouverte, ouais. Les bras bien ouverts, il attend que je rentre dans le centre. C'était ça, c'était le centre. Oui, stratégie. Oui, je sais. Mais tu y allais quand même pour voir ce que ça va donner. Oui, bah, parce que t'as envie de frapper, quoi, parce que je reste assez vif, pas assez vif. Ouais. Pour te mettre le direct, mais ça va quoi. Et il m'a fait ces trucs de kung fu, donc ouais. ça, je suis content. Bien sûr, génial. J'avais jamais vu ça. Je crois que c'est presque inédit, donc on le mettra bien au ralenti, j'espère qu'on l'a eu. Espérons. Et puis après, bah bon, il est plutôt meilleur que moi debout, légèrement meilleur, donc j'ai voulu amener au sol. Bien sûr, parfait. Il n'y a pas eu de sprawl. Non, j'ai pas fait de sprawl. Je me suis laissé embarquer sur. Ouais. J'aurais dû vraiment pousser et mettre mon poids sur toi. Ouais. Je l'ai pas fait pour. Voir ce que ça allait donner sur ton ground and pound, génial. Oui. Bravo, tu peux te prendre des postures et tu frappes au bon moment. Moi j'ai essayé de voir des sorties, etc. Mais très bien, franchement. Contre un adversaire comme ça, normalement, je reste à cheval et puis je tabasse oui. Autant qu'il faut. Ouais. Mais là, bon, j'ai voulu me faire un kiff pour le faire le clé de bras. Ouais. Mais t'as bien. T'es bien. T'es bien ressorti. Ouais. Et après, vous avez vu quand le. Après, tu vas nous remontrer. Oui. Moi, je vais vous remontrer vite fait ce que j'ai fait d'intéressant. Donc après avoir loupé mon jujigatame, je me suis retrouvé en dessous. Ce qui est très important, c'est glisser le bras par en dessous ici. Et puis même quand il commence à frapper, venir ici. Ok, ou je sors ici, je suis chanceux. Mais là, il a bien réagi. Et j'ai pu juste le reprendre dans ma garde. Mais au moins, pas rester en croix. Donc dès que le gars est là, surtout en MMA, il va vouloir me mettre un coup. Et là, il m'a poussé. Pousse. Et puis j'ai essayé de le reprendre. J'essaie de le reprendre en demi-garde, ce qui est déjà mieux que la croix complète. Ok, donc ça c'est le petit truc. Sur un gabarit aussi costaud, voilà, vous descendez dans les jambes. Espérez pas forcément l'arracher parce qu'il est puissant. Par contre, vous le poussez jusqu'à ce que sa jambe soit devant parce qu'il va reculer comme ça. Je le pousse, il reste debout et à moi.
Et là, je passe sur le côté. Bah, c'est une question de timing. Il rentre dans mes jambes, il me pousse. Pousse. Et là. Voilà. Mais difficile à te frapper en ayant de la distance. Ouais. Tu serres bien ou tu bouges bien. Donc. Ouais, donc tu mettais des frappes plutôt courtes. Plus sèches, ouais. Et après, elle n'allait pas non plus se mettre des parfums. Ouais, bah. Mais bien. Génial. Maintenant, tu vas me montrer ce que tu as fait, là, ton Spididix. Bien sûr. Le Spididix. Donc, en fait, le but de cette garde, c'est de l'inciter à rentrer dans le centre au milieu. Et du coup, s'il vient, par exemple, en crochet, c'est déjà fermé pour pouvoir avoir cette simultanéité-là. Ouais. Et s'il rentre dans le centre, ici, c'est pour avoir cette simultanéité-là. Logiquement, il va vouloir remiser avec celui-là. C'est là où je place des techniques pour pouvoir passer. Ou alors tu recules et puis tu. Ou alors je recule. Prends ta distance. Je prends cette distance-là. Deux. Et là, boum, je balance. Mais ce que Greg a bien fait, c'est bien évidemment frapper, feinter et aller chercher les jambes. Tu peux pas aller chercher les jambes directement. Sans forme. Tu peux. Je suis pas sûr d'avoir feinté. Mais c'est mieux de mettre une feinte. Mon premier direct, il est plutôt passé. Et après, je fais tour. Je vais te le remettre. C'est que t'étais dans ta continuité en fait de mouvement. Donc, comme dit, tu courais ici et tu rentrais. C'était génial, bien exécuté. Mais vous avez vu que. Merci. Vous avez vu que dès que le mec est un gabarit puissant, bon, tu veux faire la muscu quand même. Ouais. Voilà, il pousse, il a du physique. C'est ce que nous disait Léo Tamaki. Le mec de l'aïkido, il était là, il disait non, faut faire de la muscu, faut que le corps soit en forme pour réaliser des bonnes techniques. Parce que si le mec, sans être méchant, mais si le mec ressemble à un phasme, et dès qu'il se prend un kick, il est aux oubliettes, ça sert à rien. Ouais, ça sert à rien, fini. Dès qu'on est au corps à corps, si on n'a pas de force, on a toute la technique qu'il faut, ouais. Ça sert à rien. Donc là, vous voyez, un gros gabarit comme ça, c'est difficile à soumettre, c'est difficile à frapper, parce que bon, tu as quand même des notions, c'est sûr. Mmh, ouais. Combien t'en as fait d'années de jiu-jitsu, de sol? Jiu-jitsu, bah, je fais en même temps que j'ai commencé le Wing Chun. Ça fait 10 ans? Ouais, 10 ans, mais je fais, on va dire, complet 5 ans. Ouais. 5 ans complètement jiu-jitsu. T'as pas sprawlé? Bah, c'est grave. Ça, je vais t'engueuler. Mais grave. Comment ça se fait, non, sérieux? Bah, c'est simple, moi je suis comme ça, je vais arriver à l'entraînement, mes élèves, allez, prenez-moi les jambes, je vais sprawler. Comme ça rentre. Ah oui, 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 bam. C'est comme ça les arts martiaux. On apprend de cette manière. C'est parce que t'as pas l'habitude ou... Non, c'est parce que j'ai pas réussi à sprawler à ce moment-là. Ouais. C'est que j'étais sur mes talons à ce moment-là. Ouais, ouais. Et là, c'était foutu pour le sprawl. Le sprawl, c'est à un moment donné, c'est un timing. Absolument. C'est comme je peux pas. Le fameux kairos chez les Grecs, l'instant T, le bien timing sûr. Chez les Anglais ou le... En karaté, je sais pas comment, le sen no sen, l'attaque dans l'attaque, quoi. Mais bien sûr. Mais je suis content ce qu'il m'a montré là. Je vais essayer de le refaire. Ouais. Après, tu vois, en anglaise, c'est un petit peu. Tiens. Je vais pas donner des leçons d'anglais, c'est ridicule. Mais bon, parfois on est là, et comme tu dis, tu donnes le centre. Ouais. Ça va être ce genre de choses, tu vois. Oui, bien sûr. J'aime bien enseigner ça à mes élèves, mais bon. Et là, vous voyez, quand il y a un gabarit comme ça qui te met des grosses pralines, et ça stresse aussi, du coup les enchaînements ils passent moins bien. Mm-hmm. D'habitude, je suis là, 1, 2, 3, 4. Là, je voulais mettre une bonne patate, parce qu'il est puissant, tu vois. Lui aussi, il aime bien de mettre bonne patate. Ouais, donc, ouais. De toute façon, on s'est eu au téléphone avant, et puis il a dit, ouais, je lui ai dit, ça te dérange pas si on y va, ouais. Il dit, non, t'es fou, j'adore. Bah oui, j'adore ça. C'est comme ça qu'on apprend, en fait. Si on sait que l'autre, en face, il va pas vraiment rentrer, c'est relou. On l'apprend pas vraiment. Bien sûr, parce qu'on va se dire, cette frappe, elle va rien me faire, donc voilà. On peut même l'ignorer. Ouais. Et en fin de compte, si elle était réelle, la frappe, bah, on serait voilà, tombé KO et d'avoir des dégâts, quoi. Non, là, j'ai pris un gauche-droite tout à l'heure, on vous le remettra au ralenti, et low kick, il est très très puissant. J'ai rarement senti des low kicks comme ça. Et de toute façon, quand on fait des vidéos avec moi, les gars, il y a deux choix. C'est de base, si vous dites rien, on va y aller fort quand même. Après, on peut dire on y va doucement, Greg, ou léger. Mm-hmm. Mais de base, moi, j'aime bien y aller fort. Bien sûr. Parce qu'on fait des sports de combat. Mm-hmm. J'aime bien quand le mec se protège aussi. Ouais, parce qu'on vrai. Peut avoiner un bien peu sûr. Plus. Après, sans forcément mettre KO, mais quand non, même, mais elle voilà. Bonne touche. Voilà. Tu vois, là, j'ai le casque. Le mec, il peut m'envoyer des coups. Je n'ai rien à cirer. Mm-hmm. Bien sûr. Enfin, j'ai rien à cirer. Ça sonne. Après, il y a une résonance quand même. Ouais, non, casque. ça sonne. Ouais. Le problème du casque, ça sonne. Il y a un tout petit peu d'allonge ouais, avec le plus, casque qu'il faut trouver. En fait, quand tu te fais toucher avec le casque, il faut rajouter ça, en fait. Le casque plus la distance du nez. Donc c'est un peu erroné au niveau des distances. Ouais, mais non, ouais, mais moi je préfère quand même qu'on se cogne, qu'on sache ce que c'est qu'un coup, mm-hmm. plutôt que de constamment de faire la touchette. Mm-hmm. Mais super gars, tu viens dans mon club quand tu veux. Génial, d'accord, merci comme beaucoup ça, pour on va s'entraîner. Tu vas être le bienvenu aussi. Hein. Moi ce que je veux, c'est le bon esprit, vous voyez. Mm. Il est relou. Tout à l'heure on a parlé chinois, maintenant on parle un peu arabe. Bah, il en faut de tout, il faut bien de sûr. Tout. D'accord, il n'y a pas de.
tout ce qui est communautaire, tout ça, ça ne sert à rien. On s'en fout, on reste des êtres humains, avec notre culture, nos différences spirituelles, nos différences martiales. Exactement. Et on va chez l'autre, je vais chez lui, il vient chez moi, il me frappe, je peux le mettre par terre, et à la fin, merci frérot, merci à j'ai toi. Appris. N'oubliez pas cette phrase de Socrate, les amis, celui qui t'aura, ton meilleur ami est celui qui t'aura montré aujourd'hui que tu avais tort. Ton meilleur ami sera aujourd'hui celui qui t'a montré que tu avais tort. Ouais. Ça, c'est de Socrate. Mm-hmm. Et c'est un petit peu ce que j'essaie de faire avec mes vidéos, c'est d'aller voir des gens, parfois avec des a priori, comme je peux voir avec le Kung Fu. Mm-hmm. Et puis là, on met un mec qui me ressemble, tu vois, plutôt beau gosse, bah oui, on se ressemble, bah, musclé, qui en veut, qui veut combattre, et qui va voir un peu partout, tous les arts martiaux, mm-hmm. sans a priori, et à la fin, tu vois, ça donne des beaux combats, des beaux affrontements. Ouais, je suis très content de t'avoir rencontré. Bah, plaisir partagé, belle rencontre. T'as un mot à dire ? Ah ben, un mot à dire, c'est que, bon, après, dans les arts martiaux, ce qui se perd un peu, c'est la répétition des mouvements. Donc, là, on l'a bien vu sur le sprawl. Hein. Quand on a un petit défaut ou quelque chose, voilà, un défaut à travailler, il faut le répéter, trouver le bon geste et le répéter des centaines de fois, jusqu'à arriver à des milliers, hein, même, pour que ce soit ancré, même carrément, dans l'ADN, et pouvoir l'exécuter à un moment donné, même sans réfléchir. Dans un timing et dans un automatisme, en fait. Donc, c'est vraiment ça dans les arts martiaux qui se perd un peu. Donc, entraînez-vous, répétez les mouvements plusieurs fois pour pouvoir le placer après dans le combat. Et voilà, tout le monde progressera. Est-ce que tu as un mot à rajouter ? Bah déjà, on va remercier Sifudi Debeda, c'est notre professeur donc en Wing Chun. Et encore une fois, toi, ce que tu mets donc, là, ce que j'ai vu, puisqu'en avant, c'est, ce qui est sympa, c'est les échanges et surtout les ponts qui sont faits entre les disciplines. Parce qu'encore une fois, quand on parle des arts martiaux, si on parle des arts martiaux, il y a les précarés. C'est très bien la capacité d'avoir, normalement, quand on maîtrise quelque chose, d'avoir un pont et d'aller échanger avec d'autres disciplines, voir comment ils travaillent et voir comment sa propre discipline peut s'adapter à telle ou telle chose. Et puis, comme tu dis, tu vois, le sprawl, c'est pas en Wing Chun, vu qu'on n'a pas spécialement de takedown ou de ceinturage, c'est pas spécifique, mais tu es obligé de l'avoir en jujitsu, en lutte, etc. Donc c'est, de toute façon, ça fait partie du développement martial. Et encore une fois, c'est en voyant la façon dont les autres styles travaillent qu'on renforce aussi son propre système, et pas en se cachant derrière. Derrière ses coupes, ses écoles ou... Ouais, c'est ça. Ça sert à rien. Voilà, ce sera le dernier mot. Ok les gars, bah, moi je vous remercie. Je remercie donc l'école du Dibédard de m'avoir accueilli. À ces deux élèves, on vous mettra peut-être vos Instagram pour vous suivre. Ouais, si vous voulez les encourager, un petit mot toujours. Si tu veux pas, tu veux pas. Je suis pas très réseau social. C'est pas grave. Vous l'enverrez une lettre recommandée. Un manuscrit. Lâchez le pouce bleu, les mecs. Lâchez le pouce bleu. Souvent, on a beaucoup de vues et peu de pouces bleus finalement. Je pense que c'est mérité qu'on apprend ensemble. On se motive ensemble. Ça fait partie de la motivation, le petit pouce bleu. Donc ça coûte juste un petit clic. Vous abonnez à la chaîne de Karaté Bushido. Moi, normalement, je combats Cyril Yabaté le 9. Cyril, vas-y fort, parce que je vais y aller fort. Je vais voir si on repousse pas, parce que demain, je suis pas sûr de marcher normalement, avec les low kicks que j'ai pris. Là, le journaliste, il fait « Comment ça ?» T'es vraiment, toi, je te jure. Un jour, le journaliste, il viendra combattre aussi. On va changer les rôles. Hein. Mettez dans les commentaires « Oui, on veut le journaliste, avec sa grande gueule. » Donc voilà, moi je vous fais plein de bisous, merci pour vos commentaires et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Merci. À bientôt. Merci. Eh ouais. Toi t'es chaud aujourd'hui. Hein ? Allez, on y va. Attends, il me stresse, il est costaud comme tout. Là. D'habitude je prends des mecs, ils font 30 kilos, c'est magnifique. Ah, là je vais me barrer. Hein. Ah joli, je vais me barrer. Regardez le mastodonte. Il me ressemble en plus. Bonjour. Oui, la bagarre, les gamins. Hein? Non, je te connais, ça va. C'est pas vrai. Si, tu es le mec de YouTube, là. Tu t'appelles. Merde, je me sens un peu. Patrick MMA. Non, c'est Greg MMA. Eh ben voilà. Ah, les gars. T'as les mêmes cheveux que moi. Ouais. T'as un sur trois. Ouais, c'est exactement. C'est beaucoup de travail. T'as vu? Hein, t'as vu? Un sur trois. Ouais, mais c'est pratique. Hein. Toi aussi, un sur trois? Un sur deux. Mehdi est pareil. Ah oui, il est un peu plus jeune que nous. Mehdi, il est sur sa lancée.